colon. Tant de facilité à nous convaincre avec du faux et ce qui les arrange. Il nous faisait croire que nos rois étaient des monstres sanguinaires sans foi, qui faisaient couper des têtes. Et ce qu'il ne nous disait pas, c'était à qui appartenaient les têtes coupées. Aujourd'hui, nous parlons d'un roi très particulier qui se distinguait par son intelligence et sa richesse. Kézo. Son armée était immense, composée de 700 000 soldats qui vous apportaient même vos repas chez vous. Ses richesses étaient telles qu'il était couvert d'or et de bijoux et que même ses portes et fenêtres étaient en argent plaqué. Mais ça, c'est la version du colon. L'histoire, elle, nous dit que Cotonou était à cette époque composé d'étrangers comme les Français, les Hollandais, les Italiens, les Espagnols, etc. Le fait est que le roi Kézo préférait marchander avec les Britanniques, mais pas avec les autres. C'est cette sélection sociale qui lui attirera des problèmes, comme par exemple les rumeurs sur le fait qu'il vendait des esclaves avec les Britanniques. En effet, l'esclavage étant aboli depuis 1848, lui aurait continué cela en 1851 et que c'était là l'origine de sa richesse, au point où une commission d'enquête fut envoyée fouiller ses bateaux en partance du port de Cotonou et Ouidah. Un coup d'état fut même envisagé, oubliant que lui-même avait accédé au pouvoir par ce biais. Le roi en avait assez que des étrangers viennent chez lui prendre des décisions contre lui. En colère, il déploya 2000 Amazones du Dahomey, les Agodji. L'histoire retient qu'en une seule demi-journée, on entendit les mouches voler. Les bateaux s'en allaient comme des balles de fusil de Cotonou et les Amazones étaient coupe-coupe à la main gauche, tête humaine à la main droite. Et je vous l'assure, aucune des têtes n'était noire. Le lendemain, des jumeaux vont commencer à pleuvoir. Connaissez-vous l'adage qui dit « Si vous ne voulez pas que les noirs le sachent, mettez-le dans un livre par peur qu'ils ne le rectifient. » Il était dit que le peuple du Dahomey était pris en otage et qu'il fallait le libérer, ce qui n'était que sournoiserie. C'est ainsi qu'on ne revit plus d'étrangers jusqu'à la mort du roi Kézo en 1858.